J'étais dans mon couloir professionnel, dans le développement informatique, mais faute d'opportunités d'emploi, donc à vue d'œil, on me créait, l'employeur voyait automatiquement mon physique. Rares sont les programmes, je voudrais dire, qui intègrent des personnes handicapées. Mais à ma grande surprise, une fois au PAGEN, j'ai directement rencontré le coordonnateur, M. Bellatomo, qui m'a passé un entretien et a prouvé que je devais notamment intégrer le groupe qui allait en incubation à l'Institut agricole d'Obala. La formation à l'Institut agricole d'Obala m'a permis d'avoir les acquis d'aujourd'hui, donc en termes de compétences. Et j'ai été accueilli comme les autres. Donc je me disais que j'allais être exclu, j'allais être mis à part au vu de l'imaginaire collectif qu'on a sur la personne handicapée comme étant des divinités maléfiques et autres. Ici, nous sommes dans les entreprises de Tara Food, donc qui est né grâce au dispositif du PAGEN, qui dans le financement nous a permis de faire ces acquisitions en termes de local où nous sommes là présentement et en termes de machines. Je fais dans la transformation des fruits en jus naturel. Alors là, nous nous apprêtons à faire des ananas et du gingembre. Donc nous avons des saveurs différentes, dont le baobab, le gingembre pur, le citron pur et même le corosol. Je travaille avec deux personnes permanentes et en plus d'eux, il y a des cash workers qui viennent là pour des tâches. Je me nomme Loa Ono, je travaille à Tara Food depuis presque 2 mois. Donc chaque fois qu'il y a production, il m'appelle. Je suis fière de travailler avec lui, je me sens à l'aise, c'est un ami de la France et je couvre mon compte. J'évite, n'est-ce pas, être essoufflé, donc ils sont mes pieds, ils sont mes mains. Je vérifie à ce que tout soit impeccable. Actuellement, là, nous travaillons pour immatriculer nos bouteilles, nos étiquettes avec des codes à barre pour pouvoir avoir un accès libre dans les supermarchés. Présentement, nous travaillons avec les petits détaillants et beaucoup plus les individus, donc des privés. En termes de changement, le handicap impacte les mentalités. Et lorsqu'il y a changement, automatiquement la société va aussi les ressentir. Comme on le dit de façon commune, les personnes handicapées sont vides de compétences, vides de pertinence et par conséquent, rien de bon ne peut venir d'eux. Alors je suis la preuve vivante qu'une personne handicapée qui a un minimum d'opportunités peut faire aussi comme les autres et même mieux. En fait, ici, difficulté fait aussi allusion au défi. Donc là, nous souhaitons quitter de la phase d'une production minimale à une production plus ou moins industrielle. Puisque quand tu produis, tu as l'opportunité, n'est-ce pas, l'occasion d'employer d'autres personnes. Et les difficultés en ce moment, c'est en termes d'équipement. Donc j'ai de l'équipement comme les autres jeunes qui peuvent se mouvoir et ça devient très coûteux. Et aussi sur le plan de l'accessibilité, donc sur le plan de l'autonomisation en transport. C'est un peu ça qui me préoccupe en ce moment.